Ah, ça faisait longtemps. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la FIU. Donc comme vous pouvez voir ici, on se retrouve sur la FIU. On va tester le Star Wars RP de la FIU. Apparemment, tout le monde m'a envoyé des messages pour me dire que c'était le meilleur Star Wars RP qui a jamais existé, tout ça. Donc on va voir, on va tester ça. Et puis peut-être pourquoi pas la saison 3 du Star Wars RP, on sait pas. Si vous êtes toujours chaud les gars, bombardez les likes, vraiment laissez des likes, ça fait super plaisir. Ça me montre que vous avez toujours de l'intérêt à regarder le Star Wars RP, sinon bah je fais pas de Star Wars RP, je ferai autre chose, c'est pas grave. Mais en tout cas, si ça vous plaît, laissez un like, l'abonnement bien sûr, normal. Et on va se lancer une petite session Star Wars RP à l'ancienne comme on dit, parce que ça doit faire, je sais pas, un an, deux ans que j'ai pas fait de Star Wars RP, du Swotor RP je veux dire. Hein. Donc on va voir, on va commencer sur la FIU et moi ça me hype parce que ça a l'air cool quand même. Et donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bien, nous voilà enfin. Les autres membres de la République vous attendent avec impatience. Enchanté maître, ou que dois-je faire? Ouais, je sais pas lire. Alors, ok. Sur le chemin menant au temple, suis le chemin menant au temple. Ensuite, traverse le temple. Dans le hall, tu trouveras un maître Yen pour devenir un Jedi. Si tu veux devenir un membre de l'armée, prends le couloir à gauche et parle à l'officier. Tu dois t'y rendre pour commencer ta formation, ensuite va voir les autres Jedi et les autres membres de l'armée si tu choisis cette branche. Puisse la force te guider dans l'avenir. Donc moi, mon but, ce sera clairement d'être Jedi. Donc je suis Artalan Ovarug, comme à l'époque, hein, le fils de Kalen Ovarug, le seigneur Sith. Donc, faut que j'aille dans le hall et je trouve Maître Yen. Merci à toi, mon pote. On va suivre le chemin, comme ça. Et on va voir ça. Alors... Oh, ça s'entraîne là-bas. Ok, c'est pas grave, on va pas se laisser distraire partout, faut qu'on trouve Maître Yen dans le hall. Donc ça ressemble à un hall. Je crois que je m'étais spoilé là, Maître Yen. Ouais, c'est ça. Bonjour Maître Yen. Apprentissage Jedi, chapitre. D'accord. Bonjour nouvel arrivant Artalan. Tu peux m'appeler Maître Yen, je présume, je peux pas zoomer. Ok. Grâce à nous ainsi qu'à ta volonté, tu viendras peut-être un grand Jedi. Sois donc prêt à écouter nos conseils. Une fois l'émission d'apprentissage finie, je te donnerai ta tenue de débutant. Je vous écoute. Voilà la paix. Bien que tu n'aies que pour l'instant un simple civil, si tu veux ton sabre laser et ton rang de débutant, il te faut dans un premier temps avoir les connaissances de base des Jedi. Ensuite, il te faut finir toutes les missions que je te donne. Dans un premier temps, il te faut trouver sur Titon 4 locaux Jedi dans le temple. Attention, respecte ce lieu, sinon tu seras sanctionné. Bien maître, bien reçu. Alors, donc je vais dans Titon. Donc Titon, c'est là. Il faut que je trouve 4 locaux. Et j'aurai la quête d'apprentissage Jedi chapitre 2. Parfait, donc tu acceptes la mission. Exactement, j'accepte la mission. Je sais pas qui c'est qui parle, mais... Oh, excusez-moi. Je sais pas qui c'est qui a parlé. Ça va être le fondateur aussi. Vous avez un holocron dans la salle de méditation aussi. Ah, je vous remercie, Grand Ombre. Je vais ramasser celui-là. Bon, sympa, déjà sympa. Hop, ok. Alors... Là, il y en a un. Je vais le déranger aussi. Salle de méditation, il est là. Parfait. Ah, mais il y a marqué salle de méditation ici. Ça, c'est bien, on avait ça avant sur bataille de méditation. Je vous remercie, Grand Ombre, pour l'holocron. L'holocom, radio. Pardon, vous avez vu des questions. Putain, en tout cas, ça fait plaisir de refaire du Star Wars RP, franchement. Enfin, du Swotor RP. Là, j'ai vraiment l'impression de jouer au MMO en fait. Et franchement, le taf qu'ils ont fait, la FIU. Moi, j'ai eu des échos. Ouais, ça c'est bien aussi. C'est les liens kill cam dans le jeu quand ils sont forts. Hein. Franchement, ils sont forts. N'hésitez pas à aller sur le serveur. Rien que pour récompenser le travail. Rien à prendre. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ouais, on court pas dans le temple. On court pas dans le temple, mon pote. Ouais, donc. Hop. On va aller là-bas. Bon, il est certainement là-bas ou dehors. Je pense qu'il est là-bas. Apprenti, hein. Mais si vous voulez vous plier à notre entraînement, nous allons faire des combats. Allez-y. Hein. Et là, on en a le dernier. Non, dis-moi qui est là. Il est pas là?
Il est où? Il est où? Et attends, mais il y a un endroit que j'ai pas vu. Ah, peut-être là-bas, je suis... Ah, putain, j'étais sûr. Bon, j'ai pris les deux, genre j'en voulais qu'un. Ok, donc on a fini la première quête. C'est bien comme ça, ça vous, je peux parler avec vous. C'est en forme de quête, je mettrai les musiques, je ferai de l'habillage Star Wars classique. Ouais. Hop, alors, avant ça, chapitre 1. Bien de la règle voir Talan. Facile, non? Ah bah, c'était facile, mon pote. Je te préviens, bon nombre de jeunes Jedi, j'arrive pas à parler, de jeunes Jedi tout comme toi, ont rebroussé chemin à ce stade. Toi, tu as réussi, mais ce n'est que le début. Je suis désolé de t'apprendre que tu vas encore braver. On dirait que tu as compris comment ça marche. Je te laisse faire pareil pour la suite. Ça marche, mec. Ouais. Alors, chapitre 2. Bien, nous allons arriver à Artalan. Tu as réussi ta première mission. Mais il te reste encore 4 missions à accomplir pour devenir un débutant. Oh, quand même, je suis prêt, mon pote. Bien que tu n'es pas sans savoir qu'un Jedi manie à la perfection le sabre laser, il te faudra créer le tien. Pour ça, tu auras besoin d'un manche pour remplacer ta vibro-lame. Tu as une indication? Tu n'en auras pas. Utilise la force pour trouver ta voie. Ah non, c'est de la recherche, ça. Trouve le manche de sabre. Chapitre 3, ainsi que le manche de sabre à trouver. Que la force soit avec vous, à jamais. Tu n'as que 30 minutes! Ah, c'est des bâtards, ça c'est bien, putain, ils sont forts. Ok, donc dans le doute, j'irai dehors. Je vais aller voir là-bas. Ok, c'est pas voulu ça. Dans le doute, j'irai là-bas. Non, là c'est spatioport, non, c'est sûr que c'est pas là. Attends. Mais non. Tout le monde dans ce floor est ajouté. Et bah voilà. Ah, c'est facile quand même, hein. Ouais, c'est pas dur, quoi. C'est... Ah, en même temps, c'est la descendance de Dark Allen, donc... Voilà, quoi. Ah non, en vrai, ça me fait vraiment plaisir de reprendre le Star Wars RP comme ça. Et franchement, j'espère que ça vous fait kiffer. Salutations, nouvel arrivant. Salutations. Ils sont cool en plus. Ça fait peur par contre. Alors, bien nouvel arrivant Artalan. Très bien. Mais pas si vite. Tu as peut-être ton manche de sable, mais pas ton cristal. Pour l'instant, ton manche ne sert à rien sans ça. Je te laisse donc continuer l'émission pour remédier à cela. Hop, on livre la 4. Il va falloir vous entraîner dur pour battre l'Empire Sith. Ces hommes. Salutations, apprenti. Lui, il cherche un maître. Bah, on va se faire ça. On va se faire la quête. Tu es en bonne voie. Peut-être que tu seras un grand Jedi. Je suis prêt. Mais il te reste encore pas mal de choses à découvrir sur Titan. Je vais chercher l'endroit où les 5 pierres sacrées de Titan se trouvent. Ok. 30 minutes aussi. Je pense pas que ça durera 30 minutes vu que l'autre j'ai fait en 1 minute. Et no fake, je me suis pas spoil. Hein. Vraiment, j'y suis allé au feeling. Et là, j'ai l'impression que ça va être par là. Ou là-bas. Alors. L'endroit où il y a les 4 pierres. Ça ressemble vachement à un endroit où il y a les 4 pierres. 5 pierres sacrées. Je vais regarder de partout. Juste prendre des clés. J'ai pas de clés, je peux pas saluer. Salutations, c'est comme ça. Ok, c'est pas top. Alors, ah, c'est quoi ça? L'image de Prut. Ah, ça, c'est les effets de sable, ça, dans le truc à craft. Ok, on a rien là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Y'a pas de pierre là. Rien que le fait d'avoir du loot par terre, un peu de stuff, tout ça. C'est bien, genre. C'est pas là? Ça ressemblait vachement à une pièce où il y a 4-5 pierres, je sais pas comment. Ça ressemble vachement à ça quand même, mais il y a rien.
J'ai peur qu'il fasse pas de dégâts en fait. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh, c'était à droite, dis-moi que c'était à droite. Allez, Oh là là, ça part mal. Mais j'ai l'impression que mon truc a pas fait de dégâts parce que j'ai mis deux coups. Et ça a rien fait donc. J'ai une mauvaise impression que ça fait pas de dégâts. Ah, mais c'est ça, 5 pierres. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là ? Que la force soit avec vous, à jamais. C'était pas du tout là-bas. Ok, bah c'est bon, j'ai trouvé les trucs des 5 pierres. On va faire un petit slash mid edit. Si personne nous entend, c'est mieux pour la refaire. Alors, moi je vais me faire déglinguer par une créature quand même. Oh là là. Mais en tout cas, c'est fluide et tout, enfin franchement. Franchement, moi je kiffe. Si vous kiffez, vous savez comment faire. Laissez un like. Et donnez votre avis en commentaire. Si vous pensez que c'est un des meilleurs serveurs qui existe, et bah dites-le moi, je serais intéressé. Il a un bâton. Oh, il a un bâton. Si vous pensez que c'est un des meilleurs serveurs qui existe. Vous êtes arrivé, nouvel arrivant ? Ah oui, je viens d'arriver, je me suis fait attaquer par une créature dans la grotte là-bas. Ah ok. vous êtes à la quête combien là ? La troisième. J'ai trouvé les 5 pierres. Troisième quête. Ah non, c'est pas moi, Armin. Non, c'est moi, c'est Baby Tony. Ouais, apprenti Tony, pardon. Ah, bah ça va, Tony. Hier, avec l'ombre, je sais plus. Ah oui, ça va. Vous êtes. Non, peut-être que je suis revenu. Oui, je suis l'apprenti qui vous a battu. Ou qui a battu un. Ouais, non. Ah oui. J'étais un débutant quand Ah oui, j'avais un problème dans le cerveau. On peut se faire accompagner du coup, parce que moi j'avais un problème dans le cerveau en fait, du coup, voilà. Ouais, c'est tout, hein. Bien, bon combat, je vais aller rendre la quête. Ok, ça marche, allez-y. Allez, c'est marrant, c'est trop bien, l'académie elle est vivante et tout, putain, ça me fait trop kiffer. Donc oui, je vous disais, si vous aimez ça, laissez un like, donnez votre avis en commentaire, si vous pensez que c'est un des meilleurs serveurs qui existent en Clone Wars, enfin, pas en Clone Wars, en The Old Republic, bah, dites-le en commentaire, ça confortera. Et puis, on va accepter l'autre quête. Quatrième quête. Tu réussis visiblement à pas sentiment pour passer tes sentiments pour remplir les objectifs. Alors, tu vas bientôt maintenant devoir apprendre les bases du côté lumineux. Dans la bibliothèque Jedi sur Titan, tu trouveras un holocron qui fera de toi peut-être un grand Jedi. Trouve-le et apprends tout ce qu'il t'a dit. Ça sera nécessaire pour passer le conseil. Ah, t'es futur rang. Ok, je vois où c'est. Je me rappelle où c'est la... Attends. Je me rappelle où c'est, mais pas trop. J'ai l'impression que c'est soit à gauche, soit à droite. Droite. Allez, la force me guide à droite. Non, droite, c'est celle de com, je le sais. Oh, ça compte pas du coup. Gauche, la force m'a guidé à gauche. Et voilà. Que la force soit avec vous. C'est ça. À jamais. On va ouvrir. Alors, je pense pas que vous voyez sur le rec. Mais en gros, c'est le code Jedi. Je vais l'apprendre et je le sais déjà. Je pourrais pas le réciter comme ça, faut que je révise, mais normalement, je le sais déjà. Et je vais aller rendre cette quête et je pense que ce sera la fin de ce premier épisode. Je tiens vraiment à voir vos retours sur ce qui se passe. Et franchement, bah, ça me fait plaisir de reprendre. Ouais. Bonjour, nouvel arrivant. Salutations, Ombre. Ouais. Alors, on va lui donner ça. Tout le monde se dit bonjour, c'est cool. Très bien, personnellement, je te poserai pas de questions. Ce sont directement les maîtres du conseil qui te la poseront à ton passage. J'espère que tu as bien suivi ce que l'Ocron a dit. Sinon, tu vas tout faire foirer. La paix et la sérénité seront votre nouvelle philosophie. La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Non, c'est pas ça, merde. Donc, moi, je vous laisse. Et puis on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode. Si ça vous a plu, bien sûr, parce que si ça vous intéresse pas, bah, malheureusement je continuerai pas.
Oula. Oula. Il s'est cassé la gueule devant moi. Et puis, si ça vous plaît, eh ben, on se retrouvera sur Titan pour le deuxième épisode. Et moi, en tout cas, ça me fait super plaisir d'en prendre. Allez, à plus tout le monde.